C'est parti. Pile à l'heure, capitaine. C'est d'enfant, non? Non. D'accord, bon. Mettons-nous au travail. J'ai une connaissance qui livre au chantier naval. Alles in Ordnung, Horst. Du, nimm nicht so viele Kissen, sonst merken die, dass etwas nicht stimmt. Ja, ja. Fournisse des torpilles à tous les sous-marins nazis d'Europe. Tu cacheras dans cette torpille-là. On se la remettra avec le reste. Et tu te réveilleras à bord d'un sous-marin pour le petit déjeuner. Le sous-marin rejoint la cachette de 7, compris? Si un marin te tombe dans les pattes, pan-pan clic-boum. Vous respirez? Ok, Coral, Johnny. Rentre dans la torpille. Une fois à bord du sous-marin, plaque ce truc dans la salle du poste radio et déploie les balises radio. On reste en contact. Le noir des rêves s'estompe. Il semble si loin. Je veux retrouver la lumière. Il est peut-être un peu schizo sur les bords, je crois, c'est Blasco. Allez, c'est parti sous-marin. Donc la partie sous-marin, il y a un truc que j'aimerais élucider depuis très longtemps. C'est... Enfin, je vous expliquerai quand ça arrivera. Je trouve que c'est un ennemi ce truc là-bas. Ça, je t'ai vu. Comme une salope. Ah. J'adore sa tête comme elle est devenue toute rouge d'un coup, c'était marrant. Alors là, je suis en train de me farcir tout le monde. Ah merde. Tiens, connard. J'ai dit. Oh merde, encore un. Le truc, j'étais en train de. Cru que j'allais me faire tout le monde en 6, mais bon. Il y en avait encore au fond. Fuck. Alors, ok. De documents secrets, les frères. Hop là, on fouille tout. Attention, je m'adresse à l'intrus qui est à bord. Ici le capitaine Anton Krieger, commandant de ce vaisseau. Rendez-vous immédiatement et vous serez traité équitablement selon les lois maritimes. Alors je sais pas justement si c'est lui qu'on a croisé dans Wolfenstein 2009 qui faisait partie des deux frères qui tenaient le marché noir, ou c'est apparemment une coïncidence. Apparemment ça serait une grosse coïncidence. Aucune référence. Alors là je me rappelle qu'il y en a, il y en a des gros vilains. Du coup on va utiliser le shrapnel.
Attendez, c'est ça. Ça rebondit, c'est ça le problème. J'aimerais bien savoir comment on fait pour faire passer une arme dans les deux modes. Assassination des touches, déplacer gauche, fusil mitrailleur, lunettes, regarder en bas, utiliser sprinter. Il y a rien. Ah, j'aimerais bien faire passer les armes en... Tout sa shrapnel, alors ce pencher à couverture est même sûrement détruire. Ok, c'est W. Il n'a pas fait long feu ce con. Rien à choper ici sur les côtés. Non. Un truc, faut que je vérifie. Je crois que j'ai fait le con. Ouf. Je crois qu'on pouvait revenir aller en arrière. Et envoyer pour ça, mais bon, je pense que. On ira par un autre chemin. Ouais. Attends, je vais voir comment on fait pour changer le mode de grenade. Essayons d'en avoir aux grenades.
Aïe. Balise radio, enfin. Enfin, j'ai failli baliser. Pauvre casquette. Du sous-marin. Il a préféré mourir plutôt que de lâcher son vaisseau. Il a emporté les clés de décryptage du canon dans sa tombe. Il marchera pas. Les obus normaux aussi, mais pas les ogives nucléaires. Pourquoi vous vous êtes sacrifié comme ça, capitaine? Ça ne nous aide pas. Avec ces clés, on aurait pu foncer jusqu'au boucher et anéantir sa base entière. En finir une bonne fois pour toutes. Bien, on n'a plus qu'à trouver ces clés. C'est bien le problème. Impossible de trouver les clés de décryptage nucléaire sur cette planète. Elles sont stockées sur leur base lunaire. Les capitaines doivent les apprendre par cœur. Bien évidemment, il n'y a aucune base plus sécurisée que celle de la Lune. C'est sur cette base que les nazis mènent toutes leurs recherches. Bien, j'irai sur la Lune alors. Je connais pas. Caroline et Anya sont en train d'élaborer un plan au QG. Yendala, on est arrivés.